Eh bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers et gameuses, c'est Mifa24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, j'espère surtout que vous pétez la forme parce que ça c'est vraiment très important. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement et de votre soutien sur ma chaîne YouTube, que ce soit durant les vidéos et les lives avec les likes et tout ce qui va avec. Merci beaucoup les amis, ça fait extrêmement plaisir, mais pas que, ceux qui rejoignent les réseaux sociaux, notamment je me suis mis sur TikTok, le lien dans la description de la vidéo les amis, si vous n'êtes pas dessus, je vous mets de temps en temps quelques petits morceaux de gameplay vraiment marrants et amusants. D'ailleurs vous allez voir de plus en plus de gameplay, enfin des morceaux de vidéos de gameplay sur différents types de jeux, mais notamment je me suis mis également sur Shorts. C'est une nouvelle application qu'ils ont ajoutée sur YouTube, c'est le même système que TikTok et du coup je me suis lancé là-dessus. Donc si vous le regardez, n'hésitez pas à aller regarder. Et je tenais également à remercier tous ceux qui viennent sur Discord. C'est là où je suis le plus actif, c'est-à-dire que je vous donne pas mal d'informations, que ce soit sur la vie IRL, dû à mon absence, etc. Je vous donne également tout ce qui est projet, voilà. Bon, bref, en gros, si vous voulez vraiment voir pas mal d'actualités de ma chaîne YouTube et de moi, allez-y directement là-dessus. Sur ce, que dire de plus, c'est bien pas grand chose, n'oublie pas d'activer la petite notification, c'est-à-dire la petite cloche, qui vous permet d'avoir une notification en temps réel lorsque je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube, ou lorsque je suis en live. Sur ce les amis, je vais vous laisser avec un petit gameplay de Gold War, c'était un gameplay que j'avais fait en live, pour ceux qui n'étaient pas là, bah, du coup vous allez voir directement ce petit gameplay qui était plutôt fort sympatoche. En gros c'était le grand retour de Mifa24 sur Gold War. Et bien écoutez, franchement je me suis bien amusé et du coup bien de temps en temps je reviendrai sur du Gold War, donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur du Gold War, sur des zombies et tout ce qui va avec. Sur ce les amis, je vous laisse là dessus, n'oubliez pas très important le like, de commenter, de partager, de rejoindre les réseaux sociaux, d'activer la cloche. Sur ce, moi, je vous laisse avec le gameplay et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Vas-y, y'a pas de soucis, t'inquiète. Allez, Farah 83, c'est parti. C'est quoi, c'est de la domination? Oh, bah c'est parfait. Alors, attends, il m'en reste 5 tirs dans la tête, je crois. 5 tirs dans la tête. 6 paralysés et après, c'est du double kill rapidement. Franchement, easy. Ça, ça fait bizarre. Mon dieu. Ma sorcière elle est toujours pas configurée correctement. Y'a un truc qui me gêne. Domination hardcore. Je vais les stopper. Sécurisation d'alpha. Sécuriser l'objectif. Point A verrouillé. On est en tête. L'ennemi contrôle le point C. Ouh mon zoom, x3 j'aurais pas dû. Oh, ça me gêne. On prend le point C. L'ennemi a pris Bravo. On perd Alpha. Point C verrouillé. Non! On prend le point B. On perd Charlie. L'ennemi contrôle le point A. Oh la vache! Point B sécurisé. Sécurisation du point A. L'ennemi a pris Charlie. Il y en a un qui est en haut, je le sais. Vas-y, j'y vais sur celui d'en haut là. Je m'en bats les couilles. On perd Bravo. On a perdu la première place. Bien joué ça. Alpha sécurisé. On a pris l'avantage. De mon côté. On perd Bravo.
mesures électroniques déployées. Temps de mission de l'avion espion à 50%. Réserve de l'avion de contre-espionnage à 50%. Ça, je loupe mes têtes, fait chier quand. Avion de contre-espionnage à court de carburant, retour à la base. L'avion espion quitte la zone des opérations. Explosez-la, les gars. C'était pas dans la tête, hein. Oh, wow, wow, wow. On perd le point B. Il est à gauche. Il était à gauche. Oh, bien joué. Et putain, je comprends pas, il y a l'allié qui est à côté, je pensais qu'il aurait tué. Mais... il a pas l'intention de les tuer, lui. Ah, bien joué! Et putain, elle tire tellement vite la Phara. Putain, la vache. Elle est monstrueuse. Bouclez cette manche, puis recommencez pour la prochaine. Avion espion ennemi dans les airs. C'est sûr. Mi-temps. Ben, il était sûr. Bon, j'ai fait quelques têtes, mais c'est pas ouf, hein. Je sais pas combien je suis de tête. La LC-10. Aïe, aïe, aïe. Là, il me tarde de la jouer. Tu me donnes trop envie. Putain, mais c'est qu'elle bouge pas en plus, la LC-10 sur Gaulois. Je suis pas l'arme. Oh, ça donne envie de jouer, mec. Tu m'as donné trop envie de la jouer. La Phara, elle est monstrueuse, la Phara. Putain, mais c'est... ça peut rien avoir, hein. C'est plus comme avant, hein. On s'empare de Charlie. Avion espion ennemi en approche. Charlie sécurisé. On mène la course. Charlie. Donc il y a une tête en plus. Une deuxième tête en plus. Ok, t'as défi accompli. Maintenant il faut que je les paralyse, je crois. Et ah, ils nous ont quitté ou quoi? Putain, je vois plus personne quand. Ah, j'ai pas de paralysante. J'aurais dû peut-être garder ma fumigène, j'ai peut-être fait le con. Sécurisation du point C. Sécurisation d'Alpha. L'avion espion est attaqué, retour à la base. Avion de contre-espionnage disponible. Attends, ça lag. J'ai des latences. Sérieux, y'en a vraiment qui joue avec cette merde là? Derrière! Oh shit! À gauche, à droite, holy shit man, y'en a partout.
La tower elle a pas été pétée, sérieux. Bah ça sentait que ça l'a pas pété tout à l'heure. Ok, 2 kills d'affilée. Bien joué. What? J'apparais et je me fais tuer comme ça quoi. Ok, le respect il est mort. Putain, ils se font démonter en face. Full rush les pauvres. On prend de la peine. Ok, ça confine. Il me reste plus que les 2 balles kill et c'est bon. Oh putain, il est casse-couille avec ça lui. C'est un truc à gaz de merde là. Aïe 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 aïe, c'est chiant ça. C'est bon là son truc de gaz là. On perd le point B. On s'empare de Charlie. Ils ont spawn de mon côté. Oh la vache, ça y est maintenant ils vont ouais, ils vont se caler sur les trucs, sur les rebords. En même temps ils se font démonter aussi hein. La victoire est proche, finissez-en et rentrez à la base. Ah je les comprends hein. Oh la vache. Il est encore là! Comment il a pas pu sortir lui? Oh, mais il est encore vivant! Il est dans le camp! C'est bon. Nice! Il me reste juste les double kills et ça sera bon. Après, je passe à la LC10, là il me tarde! Oh bordel! Ah, en plus, tu me remontes la SLD, ça, putain de merde. Eh, bouge pas! Elle me donne trop envie de la jouer là. Oh, y'a gaffe, la LC10. Elle a l'air d'être super forte la LC10. Hein. Je pense que ça doit être la meilleure mitraillette là, à l'heure actuelle sur, sur Gold War. Peut-être que je dis de la merde, non mais. Bon, là j'ai fait des têtes et des. Et des trucs quand ils sont paralysés.